une époque qui bouleverse toutes les structures, y compris les structures sonores. Le piano et le violon ne sont sans doute plus perfectibles, mais d'autres instruments peuvent être inventés pour une autre musique, la musique du XXe siècle. C'est ce que prétendent le compositeur Jacques Lasserie et les frères Bachet, facteurs de ces instruments révolutionnaires. Vous êtes à la fois l'inventeur et le constructeur de ces instruments étranges sur lesquels nous venons d'entendre une mazurka écrite par Jacques Lasserie. En réalité, il s'agit d'un travail d'équipe parce que nous sommes attelés à une tâche immense et personne n'est complet. Oui, mais dans cette équipe, vous êtes bien celui qui fabrique les instruments. Oui, en ce qui concerne le fer coupé, le dural tordu, le verre taillé, c'est moi. Oui. Et dites-moi, François Bachet, comment, à l'origine, avez-vous été amené à concevoir le premier de ces instruments révolutionnaires ? C'est un enchaînement très long. Enfin, en abrégeant, j'étais parti pour faire un tour du monde qui a duré 7 ans. Je voulais faire fortune avant d'être sculpteur, puisque c'est difficile de faire fortune après être sculpteur. Et au cours de ce voyage, plutôt de ces voyages, j'avais mis au point une guitare pneumatique qui avait l'avantage de se démonter et de tenir dans la valise. Je vais vous la montrer. Voici l'instrument. Où la caisse de résonance est un ballon en matière plastique. Alors voici le son avec. Maintenant j'enlève la vessie. Vous voyez la différence. Et en plus, alors grâce à ce montage, on obtient un effet bizarre. Ça ressemble à une guitare hawaïenne. Oui, c'est un effet assez triste. Ce n'est pas le plus intéressant de l'opération. Et c'est à partir de cet instrument que vous avez conçu tous vos autres instruments. Oui, lorsque nous avons monté cette guitare, nous nous sommes demandé pourquoi ça marchait. Et alors avec mon frère, l'ingénieur de centrale, nous avons pillé les librairies, l'acousticien. Nous sommes allés à la Bibliothèque nationale pour tâcher de comprendre la raison. Mais toutes ces recherches, toutes ces études correspondaient à un besoin intérieur ou bien vous pensez que l'art musical en avait besoin ? Eh bien, le problème est historique, en ce sens qu'il y a depuis 160 ans, et presque exactement à l'époque de la Révolution, un divorce entre les physiciens et les fabricants d'instruments de musique, les luthiers ou les facteurs. Et jusqu'en 1800, Franklin, l'inventeur du paratonnerre, de la cheminée qui tire, c'est une chose importante, et du glass harmonica ou bien Chladni, avait fait des études tout à fait remarquables. Et puis après 1800, les savants se sont intéressés aux locomotives, à l'électricité et ont laissé les luthiers tout seuls. Et les instruments de musique se sont trouvés figés dans un certain état. Dans celui que vous connaissez actuellement. Il y a combien d'années que vous travaillez ? Nous avons commencé il y a environ 5 ans. Et en 5 ans, combien avez-vous mis au point, ou presque au point, d'instruments ? On ne peut pas répondre comme ça par un chiffre, parce que c'est comme un mécano musical, en ce sens qu'un instrument peut avoir différents timbres suivant qu'on lui adjoint des résonateurs ou des conques ou des moyens d'amplifier le son différemment. Et puis, ils sont tous à leur troisième ou la quatrième ou quelquefois sixième réincarnation. Mais il y a des raisons profondes au fait que vous ne commercialisez pas vos instruments ? Oui, c'est un problème bien compliqué. Parce que, enfin, on va prendre un exemple pour mieux l'expliquer. La scie musicale et l'accordéon, qui sont des instruments que je trouve très remarquables, n'ont pas le prestige qu'ils méritent. Et on pourrait se demander pourquoi. À mon avis, mais bien sûr je peux me tromper, je crois que derrière chaque son, il y a une image qui vient dans le subconscient de l'auditeur. Et pour l'accordéon, pour l'ouvrier, l'accordéon représente le dimanche, le samedi soir, le bal et le repos. Tandis que pour son patron, c'est au contraire la musique populaire. Alors, pour l'ouvrier, l'accordéon est un très bel instrument, pour le patron, c'est un petit peu vulgaire. Bon. La scie musicale a malheureusement été toujours vue, entendue, dans un contexte soit de mendiant, soit de clown. Et on ne pourra jamais jouer du Wagner à la scie musicale, alors qu'on pourrait très bien imaginer qu'il soit dans un orchestre. Alors nous ne voulons pas que nos instruments soient utilisés, pour l'instant, dans des concerts, mettons, de variété. Absolument rien de péjoratif dans les variétés. Mais on peut très bien aller du classique aux variétés, mais non pas des variétés aux classiques. Et oui. Si nous voulons classiciser, donner de l'aristocratie aux instruments, il faut que nous limitions
à la voie la plus difficile, c'est-à-dire la voie du concert classique. Vous tenez à ce qu'on y attache des images nobles. Voilà. Les images de la musique de Jacques Lasserie, par exemple. Oui, par exemple. Jacques Lasserie, dans l'équipe dont parlait François Bachet, vous êtes le compositeur. Les instruments de François Bachet sur lesquels vous jouez Jacques Lasserie sont, eux, au stade évolutif actuellement. Ce sont des instruments au stade évolutif, encore que nous ayons quand même fixé la technique de certains d'entre eux, afin de pouvoir jouer notre répertoire et de pouvoir l'étendre. Que peut-on jouer sur ces instruments? Bien voyez-vous, nous avons joué ma musique au début, enfin pendant 2 ans, parce que nous étions les seuls, et j'étais au fond le seul, à connaître la structure de cet instrument, par exemple, qui est un instrument mélodique et harmonique. Mélodique parce qu'il peut donner des sons séparés. Et harmonique parce qu'il peut donner des accords. Et au début, évidemment, nous avons joué des morceaux très simples qui étaient dans la modalité de l'instrument, par exemple celui-ci. Vous en étiez au stade expérimental, empirique. J'étais au stade de la découverte de l'instrument par l'accord même qui m'avait été donné. Par Yvonne Lasserie, d'ailleurs, qui avait découvert la façon d'accorder cet instrument en tierce mineure. Alors, comme vous le constatez, il y a un mode bien déterminé. Et sur ce mode, on a beaucoup plus de facilité à jouer que sur d'autres modes. Mais enfin, maintenant, nous commençons à écrire dans d'autres modes et même à adapter des morceaux de Bartok, de Bach. Et vous parvenez maintenant à jouer de la musique de compositeur, disons, classique. Oui, par exemple, nous avons adapté dernièrement une invention de Bach, que je vais vous jouer si vous voulez. Jacques Lasserie, sur les instruments conçus par François Bachet, que cherchez-vous? À reproduire certains sons, les sons de la nature par exemple, ou bien à inventer des sons nouveaux? Bien, la première chose, c'est, vous savez que les compositeurs font de la musique avec le bruit de fond de la vie dans laquelle ils existent, n'est-ce pas? Ainsi, à l'époque de Mozart, c'était quand même le sabot du cheval, la diligence, la respiration, le cœur humain, et c'était des rythmes simples, mais enfin caractéristiques de l'époque. Maintenant, nous sommes, je crois, à l'époque du métal, à l'époque de l'électricité, etc. Alors, d'une part, nous cherchons à retrouver quand même certains bruits de la nature, par exemple. C'est un effet dont je me suis servi dans le poème d'Edgar Poe, Annabelle Lee. Ça représente évidemment l'étendue. Vous savez que la musique descriptive, c'est au fond un peu une erreur pour moi, mais on peut susciter chez l'auditeur certaines associations de pensée par des bruits. Et en même temps, il y a un archétype métallique, puisque sur cet instrument, c'est le métal qui vibre et non pas le verre comme on est tenté de le croire. Et cet archétype métallique correspond à la vie moderne? Je pense qu'il correspond à notre vie moderne, car vous voyez, on est entouré de métal, nous avons des vibrations métalliques partout. Il vous était apparu que les instruments classiques ne pouvaient pas rendre l'atmosphère de la vie moderne.
Eh bien, les instruments classiques peuvent rendre certains effets, cela ne veut pas dire, mais on est coupé automatiquement dans l'écriture moderne d'une certaine sensibilité, d'un certain laisser-aller, d'une certaine spontanéité, justement parce qu'il faut beaucoup trop chercher, et dans l'écriture et dans l'exécution. Jacques Lasserie, comment travaillez-vous? Comment composez-vous? Bien maintenant, depuis un an, j'écris en général la musique parce que d'une façon plus rationnelle, parce que je connais beaucoup mieux les instruments et que nous avons tous une technique beaucoup plus grande qu'il y a 2 ou 3 ans. Mais nous arrivons aussi à reprendre les anciennes habitudes, c'est-à-dire à improviser, parce que par l'improvisation, on découvre de nouvelles formules que nous gravons, que nous enregistrons, que nous travaillons par la suite, et qui sont quand même très, très passionnantes. Quand improvisez-vous, par exemple ? Eh bien, il arrive que nous improvisions ou au concert, même devant un public, alors nous leur disons que c'est une improvisation, nous amenons même des instrumentistes, comme des clarinettes, ou des chanteurs, ou des chanteuses, et notamment dans le film. Par exemple, le film Le Songe des chevaux sauvages de Colombe Donnant, nous avons été obligés d'en improviser la musique parce que c'était un film qui devait sortir le mercredi et qu'on nous avait averti seulement le lundi. Jacques Lasserie, pouvez-vous nous donner avec votre équipe un exemple de cette improvisation? Ben, je vais essayer. Vous savez que l'improvisation, c'est un peu comme un miracle. L'improvisation est bonne, peut-être bonne ou mauvaise, mais je vais essayer avec Jacques Chollet, Daniel Zounoff et Yvonne Lasserie de vous improviser un morceau.